Dans notre ville est venu un fameux joueur de lutte pour attirer la pratique et la mise en sa boutique à l'auberge de l'écu. On apprend à jouer de l'épinette à l'auberge de l'écu. On apprend à jouer. À la nouvelle de ceci, toutes les femmes du pays ont vendu leurs chemisettes, leurs bijoux, leurs collerettes pour avoir le petit écu, pour apprendre à jouer de l'épinette, pour avoir le petit écu, pour apprendre à jouer. Troulala, troulala, troula, troula, troula l'air, troulala, troulala. Une jeune fille se présenta, qui des leçons demanda, puisque tes leçons sont bonnes, il faudra que tu m'en donnes. Tiens, voilà mon petit écu, pour apprendre à jouer de l'épinette. Tiens, voilà mon petit écu, pour apprendre à jouer. Une vieille à cheveux gris, voulut en tâter aussi. Par la porte de derrière, de quoi passer la première. Et voici mon petit écu, pour apprendre à jouer de l'épinette. Et voici mon petit écu, pour apprendre à jouer. Vieille, retournez-vous-en. Et reprenez votre argent. Car ce n'est pas à votre âge qu'on entend l'apprentissage. Vous avez trop attendu pour apprendre à jouer de l'épinette. Vous avez trop attendu pour apprendre à jouer. La vieille en s'en retournant, marmottait entre ses dents. À vous, me la maille belle, de me croire encore pucelle. Voilà 50 ans et plus que j'apprends à jouer de l'épinette. Voilà 50 ans et plus que j'apprends à jouer. La morale de ceci, je vais vous la dire ici, c'est que lorsqu'on est jeune et belle, il ne faut pas rester pucelle. Faut donner son petit écu pour apprendre à jouer de l'épinette. Faut donner son petit écu